Et salut à toutes et à tous. Hop, comme d'habitude, je vais juste check vite fait niveau son. J'espère que vous allez bien. On va parler ce soir de. C'était Misfit Vitality, BO sec, hein, 3-0. Je vais pas faire une intro beaucoup plus longue que ça avant de rejoindre les autres. Juste, je vais vous rappeler, comme je vous ai dit hier, qu'il va y avoir dimanche prochain une émission spéciale Solary où on va parler de l'AFL, on va parler de tous les esports Solary, donc de Smash, de Trackmania, etc. Donc on va avoir une émission avec beaucoup d'invités et qui sera pas condensée justement, qui va durer longtemps. Donc j'espère que vous serez là dimanche prochain. De toute façon, on va publier sur les réseaux et tout. Mais en attendant, je vais rejoindre la team, et avec un invité qui fait plaisir, qui revient. C'est Cro qui revient nous voir. Salut les gars, ça va ou quoi? Wesh. Yo. Donc, Yo, et yo, après, yo, yo. Milogan, Mimoletus, vous connaissez, hein. On est habitué maintenant. On commence à Yo, connaître, ouais. les Ouais. titulaires. Bon. Directement, les gars. Petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé du BO? Allez, je vais lancer Mimoletus, je le sens chaud. Je le sens chaud. Triplex. Driplex? Le BO, c'est Ah Driplex. oui, triplex. Ah, c'est triplex. Ouais. Au niveau des drafts, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a une équipe qui était peut-être devant une autre ou c'était genre vraiment player diff? Ah, il y a les deux, pour moi il y a les deux. Ouais, Ouais, je suis d'accord. non, les drafts de Misfit, surtout la dernière à Tyranekton, ça m'a bien tissé les couilles. Mais en plus, les trois drafts, elles sont quand même pas mal ressemblées, hein. Ça partait sur la même base et tout. Il n'y a pas eu de gros changements. Alors qu'il y a eu. Bah, c'est pas comme s'il y avait eu. Enfin, il y a eu des changements de side et tout, Ouais, donc. mais la Clap Tyranekton en pour réponse à Gwen, Milotus. c'est Tyranekton rouge. Ah, ben j'ai pas vu l'ordre de draft, justement, c'est ce que je me demandais sur la game 3. Bon, au pire, vous savez quoi, on va vite fait faire dans l'ordre. Je vais afficher la game 1 et on va en parler au pire. Hop, j'ai Vas-y. changé de scène. Le temps que. Tant que j'affiche la scène, voyons voir. Bam, normalement ça va être bon. Ça Ah commence non, à je me suis trompé, ça c'est les, c'est les drafts d'hier. Let's go. Hop. Donc, game 1 avec. Donc, on voit que Misfit, de toute façon, tout le long du BO, ils ont. Ah, ça s'est pas affiché. Hop, je vais juste. Mais c'est pas grave, je vais parler pendant ce temps, c'est pas grave. On voit La que. régie là. Ouais, désolé, hein. Pas pourquoi ça s'affiche, je sais même pas pourquoi ça s'affiche pas, c'est pas grave, je vais le refaire vite fait. Épouse. Je suis pas épouse moi justement. On peut voir que. Voilà, c'est bon, j'ai réussi, let's go! On peut voir tout le long du VO que Misfit a priorisé Zeri de fou. Ça a failli marcher game 3, mais game 1 et 2, ça a pas du tout marché. Il réponse Nautilus tout le long du BO et Senna sur la game 1. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont changé en cours de BO. Senna game 1, ils ont pris Varus plus tard. Et la case à mid qu'on a beaucoup vu, mais. Ils n'ont pas piqué une deuxième. Enfin, je sais pas, genre la draft Misfit, je comprends pas trop. Genre. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Si on peut m'éclairer. Bah, Kaisami, c'est broken, donc Oui, je suis d'accord. pourquoi pas. Mais du Mais. coup, avec Nari en face, est-ce que vraiment ça. C'est pas. Je sais pas. Je t'avoue, les match-up, je ne connais pas du tout. Ok. Mais sinon, en soi, la draft Misfit de cette game-là, je la trouve pas si nulle que ça. Après, bon. Après, je me souviens plus de l'ordre. Je sais pas si le counterpick était top, côté Il y Vita. a eu. Je sais qu'il y a eu Harry Ouais, ça, c'est counterpick, ouais. first pick. Il y a eu Harry Ouais. first pick. Into. Alors Non, c'est pas Zeri first pick du Zeri côté first pick. Misfit. Après Ensuite, c'est je crois que Arixin, c'était non? Ekarim. Ok. Ouais, Arixin. Into Ekarim. Ah je sais plus. Si Ouais, je crois que enfin. c'est ça. Parce que. Mais au fait. Ekarim. Ouais. C'est l'aspect Camille, j'imagine, du Oui, coup. c'est l'aspect Camille, ouais. Oui. Oui, Ok. ça oui, ça oui. Ok. Du coup, après, la Camille qui, au final, a toujours eu un peu de mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans ses Ah, elle a eu playoffs du et mal, hein. le long de la LFL, le Gnar. En blind pick, ça marche toujours trop bien. Bon, sauf quand c'est. Bon, non, je vais rien dire. Mais le blind pick. le bluffing Gnar, en général, ça marche plutôt bien à LFL. Non, Et. en vrai, il a pas. Bah après, ça va, Là, il tu a vois, pas. Il il. Enfin, a moi. pas eu à rougir, là, Irrelevant, sur Ouais, cette game, je pense. clairement. C'est pas de sa faute. Après, le. Enfin, y a pas au counter. Enfin, Gnar n'a pas de counter au top actuellement. À part Irelia, si elle est vraiment bien jouée. Donc. Bah, en fait, t'as des persos qui l'out impact, mais vraiment en lane pure, si tu blends Gnar, t'es plutôt tranquille, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Avec le breaker, c'est clair. Ouais, forcément. Et ouais, du coup, la Senna, ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu. Donc, farming, hein, c'est pas Nautilus qui a farmé. Et bah, elle a été free DPS tous les fights, alors qu'il y avait genre Ouais. Gnar et Karim pour aller la chercher, mais il y avait tellement de monde devant Jeskla qu'il était vraiment tranquille free DPS à tous les fights. Non, c'est Mais. surtout l'énorme travail de Diplex, hein.
Dibilex, oui, il a cancel je ne sais combien de combos de Alistar. Ils ont très bien joué autour des timings du Mediagnar. Oui. Surtout Udrech. Donc en vrai, il peut surtout remercier Dibilex. Hein. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, bah déjà, très bonne game de Dibilex et très bon BO de Dibilex, mais genre, c'est vraiment que. En fait, Vitality a réussi à choper à la gorge Misfit et c'est eux qui ont engage en premier. Et du coup, bah, quand t'arrives pas à engage sur un timing méga gnar et un bon ulti d'Ekarim, bah forcément c'était plus compliqué pour Misfit, t'as raison. Hein. C'est Misfit qu'on compris le. De souvenir, Tinks il se faisait oblitérer à chaque début de teamfight. Hein. Ouais. Et, genre, il a pas joué. Oui. Il a pas joué. Genre Dplex était là, il mettait un kiss et c'était un mort. Kiss, un mort. Et même les. C'était soit Dplex soit Jack Troll niveau engage. Ouais, pardon, Milogan. Après aussi, je trouve que le Nautilus Camille est vraiment bien draft contre Zeri. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle a pas tru, elle a pas pu beaucoup jouer quoi. Ouais, le Zeri game 1 c'était un peu compliqué. Après, il y a eu aussi un dive, c'était cette game là, non? Il y a eu un dive tôt. Un dive tôt sur la. Ouais, ils ont dive les 3 games. Hein, ouais, en fait, c'est vrai que les 3 games, t'as un dive topside et t'as une réponse. Bon, sauf sur la game 3, t'as une réponse dive botside donc. Bah, sur Game 3, justement, ils ont fait même play les deux premières games, du coup, Steen, ils s'en est douté, il s'est montré. Et ça n'a rien changé parce que c'était Volibear et Necton. Ouais, mais après, en vrai, c'était vu qu'il a récupéré la wave, après, il a plus TP pour. Comment dire Ziganda, il a plus TP. Ouais. Et du coup, il a pas trop perdu. Et donc, du coup, grâce à la bonne lecture de Steen, ils n'ont pas trop perdu comparé aux deux précédents games. Faux, c'est pas faux. Et bon, vas-y, directement, on va passer à la draft 2, hein. Alors je vous montre, le match-up Graves Jace, et là pareil, game 2, hein, ça va dive le Graves, mais Ziganda, en roi, il récupère toute la wave avant de se faire dive, il meurt, il perd rien, juste il leur donne 300 gold, et pendant ce temps, t'as Woolite et Vendor qui se font canarder par les haches de skins, je vais dire de Joko, tellement j'ai l'habitude du Olaf. Mais et ouais, après, et du coup, là juste c'est un truc, je me suis dit, genre t'as la Senna qui a trop bien marché game 1, et... Tu prends Varus dans exactement le même setup de draft. Genre je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont. Bah Varus, bah, faut savoir que le patch, on est en 12.5, donc le patch des ADC est passé, donc le buff de Varus, le nerf de Zeri notamment. Ouais. Donc pris au Varus, je comprends, ça fait beaucoup de dégâts depuis le buff. Et je trouve aussi que dans la draft Vita, l'Olaf est super bien draft contre la compo en face. Il a juste un rundown sur, enfin il. Ils peuvent rien faire en fait. La Renata, elle voit Olaf lui courir dessus et c'est fini. Ouais, c'est pas faux. On a eu une grosse draft diff sur ces games. Ouais, je pense aussi. Ouais, toutes les games. Renata, puis hein, vraiment le première... pick Renata. La première game, c'est elle, la draft. Hein. Mais là, ouais, la seconde. Ouais. Et oui, il y a aussi une invade level 1 sur ce move avec le flash de Jack Troll en mode 10 000 LQ qui fait le tour et qui va choper Irrelevant. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et ça donne en vrai Ziganda qui commence à game avec un kill. Du coup, je pense qu'ils s'en foutaient un petit peu de se faire dive quoi. Ouais, le Graves, quoi, ça chauffe les waves. Et, ouais. Et bien joué à toi. Hein. Et Woolite Zeri, en fait, il va mettre une smoke. Et bien joué. Tu n'as plus d'écran. Ton écran est éteint. Oui, pour parler tu de. Tu vois, là où. Vas-y. Ah, excuse-moi, vas-y. Non, mais je. Je disais, là où pour moi, Irrelevant, t'as bien mieux joué. Tu as Ziganda en Diamune. Genre, vraiment, pour moi, il a limité outlane. Là en game 2, vu qu'il commence à être le first blood, du coup Ziganda il peut pas faire Irrelevant, il peut pas faire même boulot tu as game 1 sur Ziganda. Ouais. Et du coup là où la seule lane entre guillemets, même si Shayach a fait une bonne partie, la seule lane où Gianni Misfit, bah la game 2 il la gagnait pas quoi. Ouais. Bon constat. Est-ce que Zeri serait pas un bait en fait depuis le nerf? Bah, est-ce que le perso était pas juste crack broken? Alors que maintenant il faut juste des situations quoi. Après j'avoue j'ai pas regardé les prix sur OTP, je ne suis pas sûr que le point 5 il soit passé, enfin le B, le 12.5B soit passé sur le. Non, je crois pas non plus. Dans la DFL. Et puis anyway, même si elle est pas nerf, genre c'est le playstyle de Misfit, tu vois, il se repose un peu sur Woolite, qui joue des hyper carry, t'as la Felios et la Jinx qui se font ban, je ne voyais pas Woolite jouer un autre champion quoi. Mais c'est ça le problème en fait, c'est pourquoi il ban Jinx. Après, c'est parce que là ils sont. Oh non, j'avoue, je sais pas. Ils ont first pick quoi, Zeri sur cette game, oui. Ouais, normalement, ouais. Ok. Ils ont pris Ozeri ou Jinx. Tu pris Ozeri, hein, de toute façon. Enfin, je sais pas, tu ban Jinx et du coup tu.
Enfin, limite, tu perds un ban pour rien, quoi. Parce que normalement, t'es pas c'est red side, tu es censé la ban. Après. Ah ouais, parce que enfin, ça me rappelle une draft Solari Oui. où ils sont blue side et ils ne piquent pas Jinx, ils la ban. C'est pareil, je comprends, en fait, je comprends pas. Après, il y a sûrement une raison Bah derrière, après, mais juste tourner ils ont fait one un speak. head. Ils ont fait un speak à Felios, non? Deux. C'est pas cette game-là? Quand ils Si, ouais, banjinx. si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, du Ouais, coup, ok. là, ça fait sens. Alors que là, Felios est ban en face. Après. Ouais, non, en plus, ils l'ont ban en troisième. Donc, je pense qu'ils voulaient juste pas qu'ils aient une Jinx. Parce que leur compo était. Enfin, genre, tu regardes leur compo avec une Jinx, c'est pas délirant non plus, Vitality, tu vois. Genre, ça marche même plutôt bien, je trouve. Oui, non, c'est clair. Donc, bon. On se fait l'assurance cette game, quoi. Après, Ouais. est-ce qu'il gagnait le 2v2 avec Jinx au bot? Moins sûr, mais. Bah, Renata, en Bah, fait, je pense. tu ne peux pas perdre le trade à part si c'est toi qui es à l'initiative. Tu perds le trade si tu engages et parce qu'elle a une bonne réception. Mais tu ne peux pas perdre le trade en Renata contre Renata si tu n'engages pas, en fait. Donc, c'est pas un problème. Mais je pense de toute façon, si t'as Jinx, est-ce que tu prends Renata à côté? Est-ce que tu prends pas un autre truc aussi? Je Oui, mais c'est pas faux. pense du coup, Bah, le la trèche, par compo est exemple. différente, quoi. Ouais, la compo est différente du coup. Ouais, je pense Ouais, d'ailleurs bon. que pour parler de Renata Zeri, je pense que overall, je pense que c'est une bonne lane. Mais le problème de Renata, c'est qu'il faut absolument, pour avoir pas mal joué, c'est absolument qu'elle passe la phase de lane. Et quand t'as vu le schéma de la game 1 et qu'en plus toi tu veux faire un dive topside, genre la laisser en weak side et que tu sais qu'elle va potentiellement se prendre des dives, etc. Genre c'était. Le pick Renata, pourquoi pas, mais du coup je pense qu'il fallait adapter le playstyle côté Misfit, mais bon. Là, c'est à voir si c'est le pick qui est mauvais ou la façon de la jouer, je sais pas. Après, Ting, c'est OTP et Karim aussi, mais bon. Bah, justement, hein, j'avais passé Game 3 où il a joué Volibear, Ouais, et ça hein. s'est un petit peu mieux passé. Pour Tinks, en tout cas. Même pour Misfit, hein, Bah, globalement, je voulais dire quoi, c'est. ils arrivent à prendre l'avantage sur la map, en vrai, à Misfit, cette game-là. Mais cette game, c'est Dripless Diff encore, non? Bah, c'est surtout, oh, go sit la Gwen, comme ça elle est derrière, et pour finir, bah Gwen a été mon soin, A genre. fait son taf en ouais. Elle a C'est juste trop fait peut-être grave. un peu moins de dégâts là. Elle les a un peu moins mal one shot quoi. Bah le Ah, nerf genre de Gwen, ult. et c'était un nerf de lane de toute façon, c'est pas un nerf de fight donc. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'au lieu de finir en 20 minutes, bah ils ont fini, je sais pas, en 30-40 minutes, donc voilà quoi, ils ont juste retardé les chances de Gwen, c'est tout. C'est quoi que tu nous écros sur cette draft avec Gwen et tout là? Un Renekton. Ah ils ont. Genre. Ouais oui c'est vrai. Concrètement, non mais concrètement, il a fait quoi, franchement, dans la diem? Le champion pue. Hein. Il a zoné Il a mis un Akali sur un flashing. fight. Il a mis un flashing sur Jeskla, il l'a même pas tué. Oui. Voilà, palmarès. Il a zoné la Akali pendant tout un fight et au final elle a tellement de mobilité qu'elle a pu aller choper un kill Ah mais à surtout Drake. que. Drake. Renekton ATM, si tu build pas proleur, tu sers à rien. Ouais, Ça mais c'est bien. personne but proleur. Ça c'est bien une vision de joueur de solo queue, ça. Les Renekton mid de proleur en mid lane en solo queue. Perso est turbo vide. Après je sais pas qui. Enfin non, le perso est vide. Non, mais il méritait de perdre juste avec ce pick. Ah ouais, ok. Ouais, c'est bon. Ouais. Renekton en réponse à Gwen. Pour moi, c'est le pick Alistar que je comprends pas. Enfin, Oui, bah après. tous les picks support ont été mauvais pour moi, mais. Or, les picks, enfin, Vander avait end la game. Hein, mais bon. Ah ouais? Elle va être plus d'une fois sur cette game, Oui, donc. c'est pas faux. C'est vrai que Vandoor, c'était le Vandoor de début de saison, quoi. Ouais, mais Par contre, il Chahuk avait sur le beaucoup de caddie BO, en lui. je trouve que ça a été le Moi, meilleur c'est ce que joueur de j'allais dire. Misfit. Ouais. Ce que j'allais dire après, petite mention, mais Chayek a Ouais. été très bon. D'ailleurs, sur la game d'avant hein, qu'on avait montré où il jouait Syndra, il fait la décale top pour faire le dive et direct après il TP bot, il prend chope le kill sur Skins. Il Je était pense. everywhere en early. Je pense que tu mets Diplex early de saison. Genre performance early de saison. Là, Chayek lui bouffe le cul apparemment. Est-ce que tu penses que Vitality perd le BOT pas parallèle? Je pense que c'est moins facile. C'est beaucoup moins facile. Oui. Parce que Diplex. Ah bah, les fights qu'il a fait avec Akali, c'est du jamais vu. Wouah! Hein. C'était impressionnant quoi. Ouais. Ouais, j'avoue Après qu'il bon. s'est toujours bien démerdé. Après, il y a eu quelques fights où il s'est fait lock CC, il a rien pu faire, il a même pas eu le temps de zoner et tout, parce que quand même, Volibear et Renekton, bah, t'as juste à appuyer sur un Ouais, c'est bouton la et tu peux compo qui jouer veut ça. quoi. Hein. Mais ouais, c'est vrai que vu la combo difficulté de la compo. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que sur les 3 games, Vitality, ils ont un top laner qui. Genre, t'as l'impression qu'il va vouloir split et tout. Bon, à part peut-être la Gwen, allez. Et au final, bah, t'as la Camille et tout, et au final, ça joue les teamfights. Et là où ils prennent leur avantage, en plus, les Vitality, c'est sur des gros teamfights autour du Drake. Alors qu'à chaque fois, ils ont un top laner qui peut jouer le split. Et je trouve que c'est une des forces de Vitality, c'est-à-dire qu'ils ont une draft polyvalente. C'est genre la Camille, si elle avait été devant sur la game 1,
Bah, juste, ils auraient emmerdé à casser des tours, genre. Et au final, là, comme elle n'était pas spécialement devant, juste ils ont joué les teamfights, ça s'est super bien passé, quoi. Bah, le truc, c'est que Camille, ATM, je pense que Nojoke en split, elle ne gagne pas contre un Gnar, en fait. Bah, c'est pour ça. En fait, ça dépend. Moi, je pense que si elle passe devant, elle peut. Mais ça s'était pas passé comme ça sur la game 1, quoi. Mais du coup, c'est la polyvalence aussi des drafts Vitality que je salue, quoi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vraiment jouer de plusieurs manières, quoi. Bah, moi, je trouve que Olaf est trop intelligent. Encore une fois. Ouais, Olaf, t'aimes bien. Moi, j'ai Moi, encore j'aime des bien. doutes. Je trouve que J'ai trop. le perso est pas très fort, bah, Ouais. ATM, mais il est drafté dans des carrés, mais dans des Volibears, je trouve ça vraiment en forme. Et encore contre Alistar, c'est encore plus fort. Oui, bah c'est une valeur sûre, tu sais que le mec il va pas se faire full CC et qui au moins tu sais qu'il va C'est poser ça. ses dégâts et sa tankiness quoi. C'est une vraie frontline entre guillemets. Et puis les dégâts bruts aussi, hein. C'est un truc qu'on Oui, c'est oublie, vrai. c'est les dégâts bruts Sur dieux, les tanks, c'est ouais. trop fort. Et le fait d'entamer des escarmouches et de réussir à les temporiser le temps que son équipe arrive, j'imagine que c'est beaucoup comme ça qu'il est joué par Skins. Hein. Oui, c'est pour une escarmouche, là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une line-up qui aime bien la bagarre. Bon, on a vite De fait toute parler des games. façon. On va pas se. Ouais, On vas-y. essaie maintenant de. On essaie d'évoluer un peu le format et de se plonger pas trop deep dans les games et de pas en parler trop Ah, longtemps. c'est surtout que le BO était tellement rapide Ouais, c'est qu'il n'y avait ça. pas À la énormément à limite, dire. il y a juste la troisième game, quoi. C'est qui était honorable Ouais. et Oui, c'est ça. encore bon. À la limite, je peux voir si on peut pas voir quelques moves. Là, je vais aller sur le Twitter de OTP vite fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelques moves qui ont été sympas? Genre peut-être revoir les moves avec la Akali. Bah, il y a un Il y a un fight. quadra kill, je pense. Il y a un quadra Ouais. kill Ouais, il y a le de quadra kill. Plex Bah, vas-y, en je vais le fin de montrer game. vite fait, je crois que c'est ça. Mais je crois que c'est le dernier fight. Et on va voir, c'est Ouais, ça. je crois C'est que le c'est dernier genre. fight de la dernière game. Je vais Ouais, le montrer c'est vite ça. fait. Globalement, c'est Jack Troll qui se fait catch, mais qui arrive à trouver un bon air sur Chayek. Bah, c'est ce qui. De toute façon, il a fait ça avec toute la game, Jack Voilà, Troll. et juste. Et du coup. Il s'est pris. Il s'est tout pris. Ouais, Et pour du finir. coup, Kali, quoi. Regarde Triplex là. Les tempos. Oui. Première. Il tue Chayek, qui Ils sont était tous tanky, hein. le. Oh, Enfin, Ouais, le c'est perso Akali aussi, j'en parlerai, mais. Wouah, Ouais. le livre. Le livre est Ouais. rempli, Donc, du là. coup, la nouvelle tradition dans cette édition playoff de l'After League, c'est de trouver un MVP du BO. Mais là, je pense que c'est assez évident, on va pas spécialement faire un tour de table. Moi, je choisis Diplex. Tiplex aussi, hein. Genre. Y a pas. Y a pas photo, même si je trouve que Jack Troll overall fait un bon BO, même s'il a 2-3 moments d'égarement. Mais il fait des très bonnes engages et son Nautilus et Pixel. Même Non, le Jaskla au niveau de final. Diplex Hein. Game 1 et 3 de Jaskla qui sont très très clean. Ouais, Skins et Zygenda, je les ai vus plus meilleurs, mais. Ouais, Vitality, parce que ce qui est marrant, c'est que d'habitude on a tendance à voir Vitality briller par son top jungle. Oui. Et là, c'était moins Absolument vrai, donc l'inverse, ouais. ça montre que La qu'il monte un polyvalence. peu en puissance en playoff Ouais. qui peuvent jouer les plus grosses équipes, quoi. Donc Ouais, de fou. à voir. Bah, d'ailleurs, Je pense qu'il va en BDS, ça va être très intéressant, c'est ce dont on va parler. Alors, Vitality, là, avec le 3-0 qui sort contre Misfit, qui est pour moi au-dessus de BDS, qui vont affronter, vous les voyez faire quoi? Est-ce qu'ils peuvent espérer le titre? Moi, je veux 3-0 contre BDS déjà. Oh, bon, allez, Pour moi, du coup, on va faire oui. ça. On va parler de Vitality BDS parce que c'est le match qui va avoir lieu. Vitality BDS, pour toi, ça va être un stomp 3-0, Mimo? Bah, je pense que BD c'est moins fort que Misfit. Ouais, je suis d'accord. Même si je pense que ça n'avait pas vu sur le BO. Parce que, enfin, du coup, en fait, Vita overperform. Du coup, forcément, Misfit n'a pas pu montrer grand-chose. Mais pour moi, BD vont se faire manger. Hein. Ils vont se faire manger tout cru. Voilà. Ouais, tu penses pas qu'ils vont réussir à J'aurais prendre vu une game ici. quand même, parce qu'il y a Crunchshot Aggressivo, c'est quand même des clutch players, quoi. Non. J'aurais Ah vu oui, ici en aucun premier. doute. Ouais. Moi, je vois. En fait, je vois que le problème de BDS, c'est qu'il va y avoir un mid-gap qui va être stratosphérique. Mais en fait, BDS, leur seule puissance, ça va être c'est soit Crunchshot, soit Aggressivo. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas autour, quoi. Après, Donc, c'est soit Crunchshot une bonne Minogan, game, toi, soit t'as pas Aggressivo. vu le BO hier, mais Chico a fait un très bon BO hier. Il m'a vraiment Ouais, surpris. Donc, à voir. Mieux que wow. Diplex? Pas les deux premières Non, games. non, pas mieux. Non, Si, non, si, moi je trouve que la deuxième game, pas la. Attends, je me rappelle plus, mais je sais que 3 games sur 4 m'ont convaincu de Chico. non. Après, il a joué quoi là? Je vexe? Oui, il a joué Vex, il a Ouais. joué Orianna et une Syndra peut-être? Je me rappelle bien.
Et plus du tout. J'ai les drafts, je vais pas aller chercher les drafts vite fait, je vais vous dire. Attends, bah t'as les drafts juste au-dessus, normalement. Attends, je regarde. Vas-y, vas-y, parle, parle. Non, mais je les ai. Il a fait une game de TF qui était vraiment deux pas Vex. haut. Il a fait il y a deux Vex, une Orianna, un TF. Et du coup, c'est juste sa game de TF qui était pas ouf parce qu'il avait un matchup contre Kai'Sa qui, moi, mais attends, cette game de Vex, il loupe tous ses ultis en. Non, mais je trouve qu'il trompe bien les fights, il split les fights et tout. En tout cas, c'est mon avis. Okay. Moi, j'ai trouvé qu'il avait deux très bonnes games de Vex. Enfin bon, on n'est pas d'accord. Non. Ok, du coup, tu penses qu'il va y avoir un mid-gap? Bah, je pense que oui. Gros. Oui. Bah, moi, enfin, de toute façon. Comme j'ai dit quand je vous ai rejoint en vocal là en privé du coup, ouais. Pour moi Misfit et Vitality ils sont meilleurs que BDS et pour moi du coup ça a dû être les deux équipes qui auraient dû aller en UM. Enfin du coup Misfit à la place de BDS et du coup si Diplex maintient ce niveau c'est un BO très très rapide hein, semaine prochaine je pense. Ouais. J'avoue que bon après au final je pense que si je joue Vex il aurait juste à vous clair que globalement il sera pas trop menacé par une Ahri ou quoi. Après, faut voir, on verra les drafts de. C'est quoi, c'est la semaine mais de toute prochaine façon, être Vitality dans cette forme, être un Diplex aussi fort, parce que pour moi c'était le plus gros point faible de Vitality jusqu'à maintenant. Ouais. Ça peut clairement concurrencer Tchakor pour le titre. Hein. Genre là, s'ils maintiennent ce niveau, il y aura match en finale. Ouais, ben après, faudra voir LDLC parce que je pense qu'il faudra pas. Enfin, peut-être je vais faut aller pas, voir. Faut pas enterrer LDLC, c'est clair. Ouais, ça va être très serré. Ouais. Je vais aller voir, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Il va y avoir un KC LDLC, c'est ça? Ouais, mercredi. Il y a un KC LDLC et le perdant aura quand même une chance contre le vainqueur de BDS Vitality, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Okay. Donc, ok. Et garde j'ai une info. J'ai une info Twitter de Chips. Il y a des problèmes Covid du côté de Vitality, bien. Ah. Ils ont 3-0 et il y a eu du problème Covid donc je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est sûrement passé pendant l'interview. Du coup, Diplex en a parlé. Du coup, j'ai pas tout vu. Mais il peut avoir le Covid et pas de symptômes pour le coup. Ouais. Et j'en profite, hein, je vois Pogboom dans le chat. Super pseudo. Au passage, oui, c'est dommage de devoir suivre les playoffs pour, sans Solari. Mais si tu veux, dimanche prochain, du coup, il y a une émission où on va parler de Solari. Ben, ce qui aurait pu se placer en playoff, ce qui s'est passé plus tôt, ce qui s'est passé, ça va, Cro, laisse-nous tranquille. J'ai rien dit. Oui, non, toi, tu t'entends, tu rigoles. Et voilà. Je te peux vous dire, je suis vraiment content de ne pas avoir été en playoff. Hein. Je suis désolé, hein, ah ouais mais je suis en ultra, mais on se ferait. Enfin, pour moi, c'était un 3-0 sec. Moi, vu le nombre d'erreurs que BDS a fait hier, je pense que si on joue des drafts scaling, on gagne le BO5. Non, mais ça non plus. Ah non, moi, c'est mon opinion. Oui, bien sûr. À part s'il y a un regain de boost d'énergie de l'équipe, non, on serait fait 3-0, quoi. Mais... Bah, non, je pense pas 3-0, mais pour moi, vous avez le même niveau de GO, tu vois. Mais... Je pense qu'on est plus fort que GO, et je pense qu'on est moins fort. Je pense qu'on se place entre niveau de BDS, à notre meilleure forme, au niveau de BDS, et un peu en dessous de Misfits, je pense. Sur le split. En fait, le truc, c'est que les contre-performances, c'est dans un changement de playstyle. Si on se remettait dans nos chaussons à jouer des drafts late game, vraiment, ils ont trop tout leur mid game, BDS. Hein. On aurait vraiment eu des free wins à jouer du scaling. Ah, j'ai pas vu le BO, donc. Moi, je me serais pas du tout inquiété. Je pense qu'on aurait été au niveau si on avait fait notre playstyle le début de saison. On serait pas allé beaucoup plus loin, c'est sûr. Mais on aurait battu BDS. Mais bon. C'est possible. Non, c'est grave. De toute façon, moi, j'aime bien écrire des livres qui n'existent pas. Bah, on va pas en faire les fois. Bon, mais bref, du coup, ouais, la semaine prochaine, K-Corp BDLC et Vita BDS. Ouais. Bon, on commence à rentrer dans les bons matchs là. J'avoue. C'est intéressant. Là. On va faire des petits pronos vite fait. Ouais. Allez. Vas-y, Cro, moi je vais te lancer. Je vais te mettre au charbon. Casser LDLC, combien et pourquoi? Casser LDLC. pour moi, 3-2 cassé. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce BO? Bon, en soi, je pense que même si Ragnar est excellent, je pense pas qu'il puisse. Enfin, j'ai jamais vu entre guillemets, comment dire. J'ai jamais vu. En gros, comment expliquer? En gros, la TST va jouer top. Ils vont jouer autour de Tiabochard. Et je pense que du coup, Ragnar ne peut pas tenir. Et je trouve que Ragnar est très mauvais en joueur de weak side. Ah bon? Moi, je trouve que c'est l'inverse, absolument.
Moi, je trouve ça, pas. Moi, ça dépend de son pick, en fait. Oui, ça arrive. Après, Gragas, quoi. Pick, mais... Ouais, mais après, Gragas, c'est pas trop possible dans la méta. Sinon, tu joues Gnar et t'encules. Enfin, moi, je préfère le voir sur des champions type Chari, enfin, genre des Gwen, des, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Moi, je trouve qu'il est donc... Après, voilà, après... Enfin, botlane, je pense que... J'ai un peu peur pour la botlane cassée, moi. Parce que si ça joue des Lucian, etc... Ouais, moi je pense qu'ils peuvent tenir, honnêtement. Je pense pas qu'ils vont gagner, je pense que Exatit et tout, ils ont l'ascendant, mais parce que ça fait partie aussi du playstyle de Reckless. Ouais. Mais je pense qu'ils vont tenir. Et en midlane, ça dépendra des drafts. Ouais, ça dépendra de quel champion à second. Ouais, ça dépendra si Eka décide de counterpeak. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai comme dirait Esso, ça dépend si second a la prio pour décal. Oui, Esso, il va nous faire une chronique. Hein. Ça arrive, il fait des montages actuellement. Oh, il est sur... il fait vraiment des montages. Il va nous montrer tous les moments où second est sur tour et toutes les défaites de KC. Il veut nous prouver qu'il y a une corrélation. Donc, on verra. On verra si Esso a raison ou pas. Et Vita BDS, du coup, t'en penses quoi? En vrai, Vita. Hein. Mmh. Comme je dis, Vita, s'ils ont ce niveau. Et vous, les gars, bon, on vous a déjà entendu sur Vita BDS, Mimo et Milogan, vous avez l'air plutôt d'accord pour Vita, mais pour casser ouais, LLC. Vas-y, je te laisse commencer. Mimo. Bah, je pense que ça va faire 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et genre, je le sens vraiment. Par contre, je le sens vraiment, ce scénario. Du coup, ce sera pas un 3-2. Et qui prend la première game? Je pense LDC prend la première et Kakor finit. Okay. Ouais. Finit pour pas gagner. Ils ont fait ça souvent l'année dernière. Je vois ils ont perdu la première game et ils gagnent. Je vois presque même un river sweep. Non, en vrai, c'est chaud. Non, c'est chaud. Ça peut le faire. Hein. Moi, en vrai, je vois dans un livre particulier. Moi, je vois genre de ultra serré, mais 3 duels LDC. Puis après, Kakor 3-0 Vita. Et puis, Kakor gagne en finale. Oh putain. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'attendre à des picks très exotiques niveau KC. Hein. Parce qu'ils ont l'habitude, en playoff, en phase de groupe de U-Master, quand ils arrivent et qu'ils ont vraiment préparé les matchs, ils vont te sortir des trucs, mais ce sera le pick parfait pour jouer contre LDLC. Alors, moi, j'attends que ça. J'attends juste de savoir sur quel poste c'est, si ce sera top ou mid ou quoi. Mais... Est-ce qu'on aura le droit à une KSA mid la semaine prochaine? C'est ça, moi, la question que je me pose. C'est trop... le pick illégal. Illégal. C'est trop méta, il va pas jouer ça, Saken. Hein. Il joue que du off-méta. Hein. Parce que je vois aucun des deux le jouer. Kaisamid, moi, si, je vois Ekan jouer. Saken, il peut carrément jouer Kaisamid. Ouais, les deux peuvent le jouer. Oui, ils peuvent, mais je ne vois pas Saken. Hein. J'ai vu Saken jouer Kaisamid en stream, ça m'a fait beaucoup rire, mais... Ils vont ressortir des rédacteurs bizarres en mid encore. Ouais, mais en vrai, Kaisamid, franchement, c'est... Enfin, je suis désolé, mais... Moi, quand je regarde jouer, enfin, on se fait chier, je trouve. Ah ça bon, farm, et puis après, ça met des W, ça met mid live, du coup, les gens écrivent un peu, mais voilà quoi. Non, moi, ça met des W, et si elle le rate, elle attend 12 secondes. Et sinon, elle leur enlève. C'est moins, enfin, c'est... quand c'est amélioré, c'est 3-4 secondes. Quand c'est amélioré. Quand ça touche, oui. Non, c'est quand tu touches. C'est quand tu touches. Quand ça touche pas, oui. Justement, quand ça touche pas, du coup, elle attend, et elle en remet 12 secondes après, et si elle touche pas, bam, bam, bam. Ouais, bam, bam, ça envoie. Mais en vrai, c'est ce qu'il disait sur le cast. Vitality a bien contré ça parce qu'ils mettaient énormément de wards et du coup la Kaisa était là en mode bah je mets des Z mais on me voit du coup bah je ne peux pas mettre de Z en fait. Et en vrai je pense que c'est un truc qui doit être comme genre il y a une Kaisa en face, c'est presque comme attention il y a un méga Gnar, tu dois vraiment comme et ping les lasers, je pense tu dois traquer la Kaisa. Ouais. Et je pense que si t'as un méga Gnar en fait c'est pour ça pour moi le BO d'hier était d'un faible niveau. Si tu en fait quand t'as une compo poach, généralement, quand elle tombe derrière, après, ça, enfin, direct, ça explose et parce que t'es obligé d'être devant dans une combo poach. Par contre, hier, il me semble que c'était Géo qui était derrière. Ils avaient une combo poach avec leur Chaisa. Ils ont quand même réussi à faire fonctionner et à Jenny Teamfight. Ça, j'ai trouvé hallucinant. Parce qu'ils ont chopé 4 tours avec des shutdowns d'objectifs, un Drake, un Herald avec des shutdowns d'objectifs. Ils étaient 6 K-gold derrière, ils sont passés à 2 K-gold. Oui, bah oui, après, t'as 2 items sur Chaisa et Ezreal et ça bombarde. Franchement, on n'en a pas parlé du tout, parce qu'on parlait du BO d'aujourd'hui, mais hier, j'étais quand même très très mécontent du niveau du BO. Pour moi, c'était... Ouais, c'était un peu une disgrâce pour les LFL. Après, moi, j'ai pas vu le BO, mais en général, les games de Géo donnent ce point de vue-là. C'est pas faux. Ouais, mais même BDS, c'est décevant. En fait,
Ouais, en fait, tu vois, BDS, ils sont clean, les games, elles sont terminées rapidement, Géo, c'est à la maison, et on n'en parle plus, tu vois. Et là, on se dirait, ok, là, BDS, une bonne équipe, c'était clean, ça finit tranquillement, voilà. Mais le problème, c'est que BDS, ils ont un lead, hein, leur lead game est parfait, BDS, hein, à chaque fois, Ouais. ils arrivaient bien et tout. Ouais. Et franchement, nickel, sauf une game. Mais franchement, nickel, sinon, mais à chaque fois, ils trouvaient un moyen de se row, ils respectent pas, ils Ouais. mettent mal la vision. Là où Vitality, par exemple, tu vois, aujourd'hui, Vitality, leur vision, franchement, Ils jouent bien ensemble, bien Link, et ça pose de la c'est vision. vraiment, elle est vraiment excellente, hein. Pour une Ouais. équipe ERL, je trouve que vraiment c'est excellent. Alors que c'est vrai que VDS, ce qu'on a pu constater hier, c'est que c'était souvent bah, sur les drafts red side, les counterpicks de Aggressivo où ils pouvaient 1v9 la game. Et derrière, alors en late game, tu sais que t'as la Kronshot qui aura farmé toute la game avec son Aphelios qui va tout détruire. Et sinon, s'il n'y avait pas la garantie Aggressivo et Kronshot, bah, Géo aurait pu prendre plus d'une game, je pense. Mais bon. Après, ça se trouve, BDS, ils vont s'améliorer, tu vois, une semaine. Parce que franchement, Pense que hier, si. ils ont pas montré un visage très reluisant, Ouais, quoi. mais est-ce que ça améliorait au point de battre le Vitality qu'on a vu ce soir? Après, les dire, on parle de Vitality, hein. Oui, bah oui. À tout moment, G-Plex, il Ah. décide de déconnecter son cerveau et voilà, quoi. Et Genre, Ziganda c'est Vitality. de Hint. Pour moi, Vitality, tant qu'ils seront pas en finale, tu vois, même en finale, j'attends de voir, tu vois. J'attends de voir. Parce qu'ils peuvent aller en finale ensuite se faire 3-0 et ne pas jouer et complètement perdre leurs moyens. En UM, à chaque fois, moi, je les attendais de sortir les play-in. À chaque fois, Bah ils ont trouvé un moyen de pas ouais. sortir les play-in. Enfin, voilà, quoi. Seul moyen de Tu sortir vois, des c'est... play-in, c'est de se qualifier sans passer par les play-in. Et ouais, big brain. Donc, il faut souligner la très grosse performance 2 de ce soir, mais il faut Oui. pas oublier le Ouais. passé. Ah mais d'ailleurs, On oublie pas. on en avait déjà parlé, mais c'est trop tard là, les places qui ne sont pas en play-in sont déjà lock, non, en LFL? Il n'y a pas un truc comme ça De où c'est quoi? cassé. En fait, cassé et LDLC sont déjà certains d'être en. Il y avait Non, un truc. c'est un des deux qui est certain. Ah, c'est un des deux, ok. En gros, ce qui se passe, c'est que les deux premiers de LFL, donc les deux équipes qui sont en finale de LFL, qui sont donc top 1, top 2, vont directement au main stage. Du coup, c'est le gagnant de LDLCK Corp et le D'accord. gagnant du match du match entre du Ok. perdant de LDLCK Corp et le gagnant de Vita BDS. Ok. Et le troisième, celui qui perd pour la Il va troisième en place, play-in. va en play-in. Ok. Mais on a déjà nos quatre équipes lock, en tout cas. Oui, on sait ce qu'on va envoyer en Europe. Et Exactement. en vrai, je sais pas si on peut parler, je sais pas si c'est trop le sujet, mais le fait d'avoir cette place en On UM, peut, on peut. c'est vraiment brochon pour la région. C'est Genre, c'est incroyable. giga brochon. Parce que je Facilement, sais ça fait. que. Enfin, c'est Ah, vas-y. mérité. Hein. Ouais. C'est mérité, j'ai 20 jours. Oui, Je en sais vrai, c'est pas, mérité. c'est comme World, hein. C'est pourquoi t'as trois places pour les NA, enfin, genre, bref, j'en parlerai aussi dans mon livre, hein, mais bon. Après, il y a eu quelque chose d'autre, c'est que t'as la Pologne qui a ses 4 slots aussi. Et du coup, je pense que le mercato, on verra au prochain mercato, enfin au prochain spring surtout. Mais je pense qu'il y aura un peu plus de talents qui partiront côté Pologne parce qu'ils voudront. Oui. Bah, en fait, je pense que du coup, le bas de tableau de LFL sera un petit peu moins stack parce que quand les gens ils auront le choix entre jouer en Pologne pour aller se qualifier aux EU Masters ou jouer les playoffs de LFL, bah, ils iront peut-être en Pologne, quoi. Je suis pas On sûr verra. parce que c'est pas des gens qui. Les joueurs ne veulent pas quitter la LFL, ça va être peut-être des gens de NLC ou de Genre Jack Superliga Spectra au hasard. au Voilà, qui hasard, eux vont partir en Pologne parce que leur Farmer League flemme, tu vois. ouais. Parce que après, la Pologne, apparemment, quand on écoute un peu les pré-shows, etc., la Pologne, c'est vraiment faible, à part Agorog qui survole la compétition. Apparemment, c'est vraiment faible. Donc, je pense que les trois autres équipes qu'ils vont envoyer, ça va être un peu. On verra, hein, peut-être on aura des bonnes surprises. En vrai, je peux le dire parce que j'ai la chance aussi d'avoir comment dire, résultat de scrim. Parce que généralement, les équipes ERL scrim contre le BA et le C. Et du coup, la région la moins performante d'ailleurs, elle scrim plus que les équipes de BA et le C, c'est l'Allemagne. Ok. Oui, bah Et ensuite, oui. Là, c'est la Pologne. Et ensuite, ok. c'est LFL, Super Lydia, donc Espagne. Et en LLC. troisième, c'est X7 Ouais. qui a un très bon winrate contre les équipes de BA et le C. D'accord. Okay. Merci de l'info. Ouais, je crois que les équipes anglaises sont vraiment pas mauvaises. Enfin, les deux premières, en Ouais, tout cas. bah X7, ils sont vraiment bons. Ouais. On verra aux EU Masters. Bah ouais, souvent le seed 1 au final de la NLC. Je vois, on dit oui, la NLC, mais au final le seed 1, ça sort jamais Fait trop, trop finale, bonne. non? Ah, il y a eu Excel. C'était quoi? C'était Excel et. Non, c'était Excel et Fnatic, non? Fnatic, ouais, c'est ça. C'est Fnatic. Fnatic, ouais. Ouais. C'est Bean. Avec Bean. Et c'est qui? C'est putain, le jungle français. Il y a un jungle français chez Fnatic. Boukada? Boukada, Qui sera en sub? Boukada, ouais, qui a Oui, été transféré du coup. il est sub, il est sub. Il est sub. Les subs? Et à mon Oh, avis, il sera plus sub à mon avis. il sera plus Ouais. sub parce que Maxime montera en LEC normalement.
si ouais. J'ai bien suivi. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris, ouais. Voilà. Après, bon, c'est encore des rumeurs, hein, mais... Normalement, en Zui Master, on verra Bukkada jouer pour Fnatic Rising. En tout cas, on aura un mercato intéressant. Ça, c'est sûr. Oui, mais je pense que ça va bouger, hein, ça va... parce que du coup, les 4 slots, LFL Pologne... Ouais. Ah, je pense que ça va vouloir aller face dans ces deux, régions. Hein. C'est clair. C'est pas impossible. Après, ça voulait déjà aller face dans LFL, sauf que ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Mais... Ça, LFL, ça va pas changer, mais en Pologne. Pour moi, si ça a changé énormément, bon, hein, un quatrième slot. Parce que tu vois, des joueurs comme Jasper Tra, tu vois, ils sont allés en Espagne au lieu de la LFL parce qu'ils pensaient avoir plus de chance en Espagne, même si, bon, au final, il n'est même pas en playoff. Mais. Il aurait signé chez Solari, c'est ça que tu veux dire? S'il avait su? Non, j'ai pas. Non, mais le truc, c'est que tu vois, top 3, c'est. Top 3 LFL, quoi, tu vois, c'est dur, mais pour moi, quatrième place, tu vois, c'est. Franchement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent la jouer. Oui, quoi. Oui, je pense, oui. Je pense qu'il y a 8 équipes en LFL qui peuvent jouer la 4ème place de LFL. Donc... Effectivement. Ah, pas au plomb, quoi. Mmh. Bah, Mirage, ils peuvent s'ils changent leur millénaire, quoi. C'est un rookie aussi, hein. C'est pas parce qu'il est coréen, c'est un rookie quand même. Laissez-lui un peu de temps. Bon, sinon, pour finir cette émission. On va quand même parler un petit peu de l'éliminé qui a fait ses dernières games de LFL pour ce spring, qui n'est autre que Misfit. Misfit, les gars, ça a monté vraiment en puissance dans le split régulier, là. Donc on les attendait en playoff. Nassi, hier, a même pronostiqué qu'ils allaient éliminer Vitality, parce qu'ils ne trustaient pas trop en Vitality. Oui, mais c'est une fraude aussi. C'est une équipe, par exemple, que vous auriez aimé voir aux EU Master qui nous représente, même s'il n'y a pas beaucoup de francophones. Voire pas du tout. L'équipe polonaise, quoi. Mais non, Misfits. J'ai déjà dit du Misfits que c'était un downgrade par rapport à l'année dernière. C'est sûr, je trouve notamment qu'ils perdent leur top laner. Et la majorité avec Oulak Jack Troll de leur playstyle. Mais au début du split, on était en mode ouais, c'est vraiment bof. Ouais. Et finalement, sur la deuxième partie du split, ils ont quand même réussi à monter des games. En fait, c'est bizarre parce que Misfits, j'ai l'impression que personne ne regarde vraiment leur game, mais ils font leur petit bout de chemin. Et finalement, ils ont arrivé quoi ? Ils ont fait 5ème du split ? 4ème ? 5ème ? Je vais te dire, mais continue. Non ? 5ème. Ah non, j'ai rien dit. Ah non, 5ème, forcément pas. Ils ont fini 4ème. C'était 5ème. Ouais, non, 5. Ah quoi ? 4ème ? Ils sont 4, ils sont à 11 victoires comme Vitality. Ah ouais. Et... Mais ils ont gagné. Ils ont fini. Ils étaient à combien par rapport à BDS ? Il y a combien de différence ? Une BDS, c'était 3ème. Ouais, bah voilà. Ouais, enfin bref. Ils sont forcément 5ème, Misfits. Ils sont 4ème. Ah non, t'as raison. Ils sont 4ème. Ils sont 5-4ème. Parce que je crois que les plus hauts choisissaient les adversaires du bas, c'est pour ça que. Oui, donc ils sont forcément 5ème parce que. Ah non, ils ont fini 4ème. C'est le classement qui le dit. C'est que BDS qui choisit en fait, tu bêtes. Ouais, oui, c'est BDS. Donc ça changerait en fait, les deux étaient destinés à s'affronter quoi. Et du coup ouais, fin de split solide, ils ont explosé les dernières games et puis bon là sur le BO je pense que ils pouvaient pas grand chose à dire, ils sont juste explosés quoi. Oui, donc, ils pouvaient pas faire grand chose quoi. Vas-y. C'est pas une mauvaise équipe donc non c'est pas une mauvaise équipe. À voir au prochain split quoi. Si vous deviez donner un MVP chez Misfit ce split là, ce serait qui, Mimo Letus par exemple pour toi? Le split, pas le playoff. Bah, du split entier, quoi. De tout. Je pense pas trop me souvenir de tout. Ouais. Mais je pense que Chayek. Chayek ou Light, hein. Ouais. Je dirais Chayek parce que. Enfin, genre, je pense que le BO, là, reflète un peu son niveau, quand même. Par rapport à la team. Vendeur, deuxième partie de saison, il s'est réveillé, logique. Woolite, bah ça reste Woolite en fait, genre, c'est un mec vachement strong, donc forcément, tu vas le mettre dans du panier, mais je peux te dire qui je ne mettrai pas en tout cas, hein. Il s'appelle TYNX. Tinks, t'en attendais quoi au début du split, Mimo ? Bah j'en attendais rien et je suis quand même déçu. Ouais vraiment, t'en attendais rien ? Ah non, je crois que je l'avais dit, hein, Tinks, je crois que je l'avais dit. Hein. Oui c'est possible, moi j'en attendais pas grand-chose. Il l'a répété plusieurs fois. Bah encore une fois, c'est bizarre, c'est qui disait qu'il avait beaucoup d'attentes envers Tink ? C'est un mec, je crois, il s'appelle Esso, avec ses avis désastreux. Et oui, au final, il en attendait beaucoup envers Tink, au final, pas ouf. Quoi. Ouais, étonnant. Ouais, étonnant. Moi, j'attendais beaucoup de Tink aussi, mais... Ouais, ok. T'as droit à une erreur, toi, aux erreurs, toi, c'est rare. Il a décidé de jouer Karim. Après, Karim est broken, mais il n'a pas montré grand-chose d'autre, quoi.
Ouais. C'est vrai que ouais, les Ekarim en LFL, moi j'ai pas trop vu des Ekarim qui ont vraiment vraiment fonctionné. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Mais sinon, Crow, toi, si t'as peut-être un MVP du split et un mec qui t'a vraiment déçu, mais ça peut être Vander aussi, dis-nous. En vrai, ils ont quand même pas mal évolué. Au début, ils étaient tous décevants, surtout Vander. Je me rappelle ses premières Oui, games. c'est vraiment décevant. Elles étaient scandaleuses pour un vétéran qui descendait de LEC. Ouais. Après, ils sont plus ou moins tous réveillés. Enfin, en gros, en tout cas, Shayette est le plus constant. Après, moi, je mettrais une mention à Airy Elevent, Ouais, qui moi a fait aussi. vraiment une très bonne fin de split. Mais Et pareil, puis au même début, un peu compliqué en. quand même. Ouais, et puis même la gem contre Vitality, enfin sa première gem, pour moi, je la trouve vraiment très bonne. Oui. Ouais, Shayette, et puis bon, Jinx, enfin, moi, le problème, c'est que si t'es mon foutu la gueule du monde dans l'Italie, j'attendais rien. Ouais. Je me suis dit, peut-être sur un FL, peut-être, voilà, quoi, il y a du niveau et tout, il va se bouger un peu. Son ego va Non, parler, mais ouais. au final, enfin, après, moi, franchement, s'il continue comme ça, il retrouvera jamais une place en T1, hein, Je tu vois. pense qu'il est déjà cramé en Après, LEC. si. Hein, ouais. Non, il est pas cramé, il a Non, du mais talent, je pense non, qu'il. mais niveau son image en LEC, tu sais, Ouais. souvent la LEC c'est comme Ah. ça. Quand il y a un joueur qui en sort. Il a été méchant. Il a été très Ouais, méchant je à sais ce qu'il paraît, pas. donc. Un peu toxique, le monsieur. Et on va jouer à un jeu. Oula. Ouais. Misfits va avoir un mercato entre le Summer et le Spring, imaginons. Et ils ont décidé de changer un seul joueur. Ce sera quel poste et ce sera remplacé par qui? Peu Wow. importe, n'importe quelle équipe de RL. Si vous avez Par une qui on idée. doit dire le joueur? C'est genre, t'es le staff Par. Misfits et tu veux que ton équipe perf le mieux possible. Et c'est n'importe quel joueur de RL. Après, faut soit réaliste, hein, parce que sinon, moi, je prends Maxi, par exemple, tu vois. Ok. Bah après, oui, c'est vrai que j'avoue que c'est pas super réaliste. Mais du Bah non, coup, Maxi, bah il on peut, quittera du pas coup, ça. Fnatic. Tu prends Maxi et tu penses que ça va fitter au reste du playstyle de l'équipe? Aucune idée. Ouais. Parce que C'est ça après c'est aussi. le plan humain, j'en sais rien, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a en tout une. cas en termes de niveau de jeu, c'est bien mieux. Donc tu vires Tinks, quoi. C'est aussi Oui. ça la question. J'ai dit n'importe quel joueur, pas de jungler. Hein. Après moi personnellement, je dirais le même roster. Ouais. Même peut-être non peut-être non non excusez-moi, je me trompe. Peut-être je dirais le même roster sauf le support. Ouais, je suis d'accord aussi. Voilà. Ouais, tu peux changer de support aussi. Je suis d'accord que je pense que si tu changes quelqu'un, tu changes Vander. Parce Donner un gros que support à Oulight est censé Roulette. être. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que Oulight est censé être un des carrés ultra dominants en Ouais, lane non. et on l'a pas trop vu quoi. Après, Ouais. le problème, c'est que Vander, apparemment, il apporte énormément en dehors Bah, c'est de possible, l'île, etc. Donc, le problème, ouais. c'est que si, voilà quoi. C'est comme Après, Larsen chez Rogue, quoi. tu vas Il y a chercher moyen un qu'ils font. Rooks ou un Seize à Vander. Enfin, il y a moyen qu'ils changent rien. Hein. Non, après, Bah, moi. comme tu Ouais, vas-y. moi j'aurais le même roster, hein, je crois, honnêtement. Là, je pense Si je devais aussi. choisir. Ok. Moi, j'avoue, je changerais le support. Moi, j'aurais eu envie de changer le support parce que Vander, overall, il m'a déçu. Et je pense pas qu'il ait envie, en fait. Genre, le mec descend de LEC, et c'est vrai, clairement, ce qu'on a vu au début de Split, c'est que, genre, pour moi, il n'avait pas envie de jouer au jeu, genre. Et Il sinon, était t'as un là, mec Vander. qui est sub actuellement, chez Misfits, si je dis pas de bêtises, c'est Magic Felix, il est au TP Zilean dans le ladder, là. Mettez le en support, hein. Non, en vrai, ils font jamais ça, mais bon. Il a quel âge, Vander? Je sais pas. Ils sont mis au pré-show depuis quand Il ils a jouaient. 27 ans. 27 ans, il Ouais, a. Papy Vander. Et je crois qu'ils jouent depuis 2013-2014. Enfin, genre, les mecs, c'est des Ouais, ça fait papys. un bail, hein. Il joue depuis en pro depuis 2011. Ah, t'es toi. Et la première restructure qu'il a eue, c'est Mouse en 2012. Ah ouais, donc le mec, ça fait 10 ans quoi qu'il est sur la scène. Il a fait Millennium en 2013. Ah, je savais même pas. Il était AD Petite Carry à historique de l'époque. Vander. Il était Salut, AD Carry, je puis suis en Abyss. arrivant chez Millennium, il était support. Ok. Bon. Oh, t'imagines, il arrivait au collège, il était déjà pro, enfin après, Du coup, au calme-toi. final, vous blâmez tous Stinks, mais si vous changez un rôle, c'est support? Ah non, moi je pense je change Tinks, hein. C'est Ok, vraiment une sale merde, mais bon. ok. Après, Tinks, le truc, c'est que. Ah ouais, les mots sont lâchés. Mais après, moi, le truc, c'est qu'il est super talentueux, tu vois. Si vraiment il se donne à fond, il tryhard ses grands morts, ça peut vraiment être un top player, Bah mais ouais. bon, le problème, c'est que voilà quoi. Le potentiel de la line-up Misfit est vraiment super haut entre Chai et etc. Même en vrai. Après, Vas-y. en vrai, je connais une bonne équipe pour les joueurs qui refusent de s'entraîner en LEC. Je vois de quoi tu parles, tu Donc, veux lâcher le nom de l'équipe ou. en fait, il y a peut-être un avenir en LEC en fait. J'ai my bad. Ouais, j'avoue. Après, l'équipe dont tu parles, elle n'a pas de raison de changer son jungler, je crois. Non, aucune. Donc bon, ce sera pas pour Tinks.
Bon, là-dessus, à part si vous avez des trucs à rajouter sur Misfit, je pense qu'on a fait plutôt le tour. On a parlé de Vitality, de Misfit, Ouais. du match. On a pas Sur mal de... Magic, mais. Vas-y. Ouais, moi je suis pressé d'être aux UM parce que je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais l'équipe de Vikings qui a fait 3-0 Oui. en playoff et qui peuvent prétendre à un EUM, du coup Viking, Viking et Clown et Nef. Elif. Je suis très très Ça hype. va être très compliqué quand même pour eux. Parce que moi je Je pense que pense. X7 ils vont finir premier, mais après ça joue entre Bifrost et eux, je pense. Et Bifrost en Bah, vrai, c'est une bonne équipe. nous, en tant que fans de LFL, on veut, c'est les joueurs qu'on veut voir, on les Ah oui, connaît. bien sûr, bien sûr. Et les interviews de Viking ou de Elif, j'ai envie de les Oh ouais, voir. let's go. J'ai Mais envie de c'est les vrai qu'il voir. y a trois anciens joueurs de Bah LFL ouais. dans cette Bah équipe. ouais, Hein. c'est Ouais, Easy c'est Dream, hein, cette vrai, équipe. c'est Easy Dream, ouais. C'est Easy Dream avant qu'Elif aille juste là. Oh, en vrai, Easy sur Dream aux Playoff UM, c'est hype. version. Hein. Allez voir, n'oubliez pas d'aller voir la NLC, les gars. Bon, là-dessus, je pense qu'on va conclure l'émission. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour les matchs. C'est quoi? C'est KCLLC et Vita BDS, du coup, c'est ça? Exactement. C'est quoi la première journée? C'est Vita BDS? C'est non, 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 c'est c'est KCLLC. KCLLC. KCLLC, ok. Donc on se retrouve mercredi prochain pour KCLLC. N'oubliez pas, dimanche après-midi, aux alentours de 15h, potentiellement avec un membre du staff Solari, on va parler de l'équipe Solari LFL et aussi de d'Esport Solari, donc de Smash, de De Trackmania parmi Logan. Trackmania. Donc on aura beaucoup d'invités. Je pense, no joke, qu'il y a presque 10 personnes qui vont passer sur le stream. Une grosse émission Oh, de... c'est trop Ah drôle. oui, une grosse émission qui va peut-être durer plus de 3 heures et tout. Bon, On va être carré, les amis. on vous demande pas d'être là tout le long, mais au moins venez voir. Les rediffs seront dispo et tout sur YouTube. On va essayer de se donner pour cette émission, donc n'hésitez pas au Ouais, moins ça à va y être cool, ça va passer. être cool. Comme je l'ai dit en privé, il y a énormément de choses à dire sur Ouais. Solari LFL, donc ouais, j'avoue que l'émission va être cool. Ouais, et Ouais, ça va être vraiment si vous sympa. êtes là, et même pour ces émissions, n'hésitez pas sur le chat. Si vous avez des trucs à dire, ben on peut vous prendre sur le Discord et vous faire intervenir 5 minutes. C'est un truc que j'aimerais réussir à mettre en place dans cette émission et même dans d'autres formats. Donc, Titre radio libre là. voilà, ouais, si on arrive Voilà. à... Ce serait cool, ce serait cool. Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci Cro d'être encore revenu. Ouais, merci à C'est toi. trop cool quand t'es là. Bah merci pour l'invitation, c'était super cool, Merci encore une fois. Miogan et Mimouletus comme d'habitude, hein, les cracks. Pas de fond Ah, vert de pour rien. Mimo, je suis un peu déçu. Mais... J'aurais pu mettre des replays. Mais je trouvais pas l'image de des replays du coup. Ça pour une prochaine Tu nous fois. feras un opening dimanche. D'ailleurs, tu seras aussi là pour l'émission de dimanche. Tu me Oh que parleras un petit peu oui. d'Open Tour avec Joe et Lexter, qui sont des ultras Ah ouais, Solari l'open tour. Ah. impliqués dans Ah, l'Open Tour. let's go, l'Open Tour, Tu nous en ouais. parleras. Allô, C'est pas l'open tour. parce que tu ne le fais pas cette semaine-là que tu J'en n'as pas. parlerai en tant que spectateur pour ce segment. Exactement. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Et bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Merci, Ciao. des bisous.